Bonjour à tous, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici Tangle, qu'on se retrouve pour une vidéo sur le bras de fer. Alors, parce que attendez. On m'a dit. Non, le bras de fer est bien. Franchement, sur ma vie. En fait, le bras de fer, que je n'ai pas encore testé, mais pour une fois, tout le monde en dit du bien. Parce que c'est le centième bras de fer. Et oui, je sais pas, je découvre en même temps que vous, en fait, hein, je peux vous mentir. Mettre le son. Alors, qu'est-ce que c'est? Le plagiat. Non, on est d'accord que ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est le plagiat de la roue du top deck? Non, mais c'est un plagiat, on peut le dire. Un défilé de bras de fer. Chaque classe est associée à un précédent bras de fer ou fournit un deck basé sur les... Ok, très bien. Alors, on va tester. On va prendre, évidemment, toujours prendre le chasseur en l'honneur du Hunter. On s'en rappelle, hein. Paix à son âme. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que, par exemple, avec le Hunter, je vais avoir un bras de fer qui fait que quand tu joues un sort, ça invoque une créature du même coup. Un truc comme ça, genre. Lexal, Galoche! Ok. Pour l'instant, j'ai du mal. Oh, okay. C'est vrai que ça existait, Tisseuse, j'avais oublié. Cette carte a toujours été nulle à chier d'ailleurs, cela dit. J'ai du mal à voir comment ça se matérialise pour l'instant. Hein. Ok. Pour l'instant, c'est de la merde. Hein. Mais mais attention, on sait pas. Il faut pas parler tant qu'on n'a pas vu ce qui se passe. Mais pour l'instant, ça a l'air. Bon, hein, voilà. Surtout si le mec en face rope. En bras de fer. En 2017! En 2017! Ouais. Ok. Vous jouez un deck des caprices du hasard. Tu aimerais le faire, c'est le 14 octobre 2015. Travail terminé. Ok. Dans ça, je joue un deck de bataille de banane. Deuxième bras de fer lancé le 24 juin 2015. Ça, je me rappelle ça. La bataille de banane. J'étais là. Moi, j'étais là dès le premier, hein, d'ailleurs. Le premier, c'était la bataille des tisseuses, je crois. Alors, c'était quoi la bataille de banane, déjà? C'est pas quand t'as la banane déviante là? C'est incroyable la bataille de banane. Votre deck composé de cartes aléatoires qui changent de coup à chaque tour. Ah, c'est de la merde. Non, ça va, ça va, ça va. Non, mais c'est original. Enfin, c'est sympa. Non, mais c'est sympa, enfin voilà. Il faut pas tailler, c'est pas grave. Attends, ça... Attends, c'est quoi ça? Pourquoi ils ont. Pardon. À chaque fois qu'un adversaire. Ben c'est marrant, parce que figurez-vous qu'il y a un viewer qui nous a envoyé un colis au bureau. Et en fait, il s'est fait passer pour le roi Mukla. Et en fait, ils nous ont envoyé un carton de 30 bananes anti-stress. Voilà. Et c'est très drôle du coup comme timing. J'ai regardé chez vous. Allez, bon, on dirait. Hein. Ouais, oui. Et bah, ben c'est marrant. Ben, qu'est-ce qu'on se marre aujourd'hui, maman? Et ben, c'est la régalade, hein. C'est la régalade. On se régale avec Blizzard, merci à eux. Ah ouais, le piège givre, hein, du coup, tiens. Et le loup alpha redoutable, c'est parti. On met du bord là, on est chaud là, hein, clairement. De toute façon, il a les bananes, moi aussi. Moi j'ai la banane déviante, regarde. Oh putain, on l'a meulé. C'est terrible, vraiment. Non, vraiment, j'en suis réduit à ça, putain, moi, Tank, chef d'entreprise. Pas du tout. La banane déviante. Je me suis toujours posé la question, hein. Est-ce qu'un jour la banane déviante serait une vraie carte Hearthstone? Bon, ça serait trop fort, cela dit, mais. Il pourrait modifier le coût de la carte, mais. Voilà. On va dire Banane Déviante est une carte qui a bercé mon enfance. Voilà, on va pas se mentir, hein. Voilà. La grande banane! C'est elle! La grande banane! Bon là, évidemment, le grand piège givrant du coup, hein. Eh oui. Eh ben c'était bien en tout cas, vraiment. Mais du coup, est-ce que c'est aléatoire à chaque fois ou... Eh ben voilà, bah c'était bien. Bah, écoutez, c'était un bon bras de fer. Non, pas du tout. C'est pas fini, attendez. Bah c'était notre classe. On a un paquet. On verra après si j'oublie pas. Alors admettons qu'on prenne le druide. Le prêtre. Le prêtre. On prend le prêtre. On va voir. Mais bon, moi je suis assez confiant. En fait, j'espère juste que t'as pas toujours la même classe. Enfin, j'espère que t'as pas toujours le même quand tu prends druide. Quand tu prends Hunter à chaque fois. Tyrande contre Uther. Des nouvelles classes. Je combattrai avec honneur. Qu'une lune me donne sa force. Oui. Alors, c'est quoi ça déjà? Je crois que c'est celui où t'as 4 légendaires de chaque, je crois. Enfin, t'as 4 fois la même légendaire dans ton deck, je crois. C'est un truc comme ça. Je sais plus ce que c'est. Et en fait, à un moment donné, ça te donne un truc pour accélérer, je crois. On a le maire de Brouille Caboche. Je crois qu'il y a une embrouille avec ce. Je crois qu'en fait, ça te donne un truc qui fait que. La prochaine classe que tu joues coûte 3 de moins, je crois, et après ça reste. Enfin, c'est un truc comme ça, celui-là, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je crois. Selon mon souvenir. J'ai dû faire tous les bras de fer qui existent, hein, globalement. Hein. Donc bon, depuis que ça s'est lancé, les bras de fer. Donc, je suis assez confiant sur ma mémoire. Ok. Ça va faire jouer un deck, ça va être Deoxaon. Le conseil bras de fer va passer le 13 juillet 2016. Ok.
C'est marrant ce qu'ils ont fait en fait, hein. Le 57ème bras de fer en 2016. C'est fou. Jouer un deck des clones, le bal et moi. 52ème bras de fer, voilà, c'est ça, voilà. 50ème bras de fer lancé le 8 juin 2016, je m'en rappelle. Le prochain serviteur que je jouais est sous copie au 3 de moi. C'est ça, voilà, je m'en rappelle. Allez, pièce, Lyra. Baigner dans la lumière. Le deck de notre adversaire est composé de serviteurs aléatoires qui lancent chacun un sort aléatoire quand ils sont joués. C'est ça. Ça, c'est très drôle ce qu'il a. Il a mieux que moi. Il s'amuse plus que moi. Hein. Alors, je sais pas tous vous les spoil évidemment, parce que bon, quand même, voilà, mais le paladin a l'air très drôle. Alors, je sais pas si ça reste tout le temps pareil, mais bon. Pardon. Pardon. Un deck composé de plusieurs copies. Ouais, ta race. C'est de la merde, on sait, c'est de la merde, on va le faire. Moi, j'ai de la. Lui, le truc trop marrant, j'ai de la merde, moi. Baigné dans les puits du soleil! Ok. En fait, si Lyra reste en vie x2, parce que prochain tour, ils vont me redonner un truc qui fait que ça coûte moins cher, c'est ça, je crois. Hein? Tue-toi. Ouais, bien joué! Bien joué, frère! Bien joué. Ouais, ouais, toi aussi. Alors, attendez, parce que là, on fait ça. Et donc, ça donne des sorts. Oh! C'est le gros tryharder. Convertir. Ça fait ça. De la merde. Après, en vrai, ça fait jouer un sort. Mais d'abord, on fait ça. C'est incroyable cette partie. On fait ça. Et le moment de l'ombre d'où le tableau tryhard, quoi. Pas sur réductrice. Vas-y, vas-y, ça donne deux spells. Qui sa mère. Oh, la lumière de la roue. Quelle value. Quelle value. On continue évidemment à se mener. Libérer dans l'ombre. Purify, c'est fort ça. Du coup, est-ce que je trade du coup ma créature m'a pas vu qu'il n'inflige pas de dégâts. Oh, mais quel combo. Mais quel combo. Mais quel joueur. Même au bras de fer, il trouve toujours l'opportunité. Il trouve toujours l'ouverture. Tel Karim Benzema le long de la ligne de corner. J'ai vu le match hier contre l'Atletico. Hein. Pardon, excusez-moi. Ouais, du coup, il faut quitter là, du coup, c'est terminé. Hein. Personne ne volera nos secrets. Un secret. C'est marrant, là, regarde une lame qui vient. Oh non, Lyra. Quel dommage. Qui me sert beaucoup pourtant. Ouais. Bon, on est team curator là quand même. Hein. D'abord, on va les face avec ça. Ok. Illumination, n'est-ce pas? Allez, on met QQ. Allez. Ça risque de nous meuler par contre. Hein. Ça va ramener les murlocs que je vais pas pouvoir récupérer. Hein. Mais avec un murloc, ça va. Ah, j'ai la place en fait. Très bien. Ok. Tire-t'en main. Bon, on va pas pouvoir plus pouvoir récupérer les sorts qui réduisent le coup, mais c'est pas grave. Faveur divine, ça c'est bien ça. Ouais. Ok. Enfin, c'est bien. Tant qu'il fait pas des trucs qui met une cul, on est content. Faut le mettre à 5. D'ailleurs, on a l'étal derrière. C'est parti du démon quoi. Ok, tranquille. On part sur ça. On récupère Dragon in Fire, enfin Dragon Fire Potion. Ok, c'est la panthère de la jungle et de la jungle. Trade ça, ça va face. Voilà, on a l'étal au prochain tour. C'est parfait, parce que bon, on n'allait quand même pas faire tous les bras de fer du monde là. Et bah écoutez, c'était bien. Ça mérite, j'ai tellement bien joué, je pense, que je mérite ostensiblement d'avoir une légendaire dans mon paquet. Voilà, moi c'est ma théorie, bon après voilà. Enfin, j'ai très compensé. Hein? Pardon? Comment ça? Attendez, comment ça? Ça vient de taper quand même 3 fois dans... Enfin, quand même... Hein? Sur ma... Hein? Pardon? Excusez-moi. Attendez, j'ai... Hein? Quoi? Pardon. Ok. Voilà, c'est time de faire Dragon Fire Potion, là. Ok. Mais quand même, je vais gagner, normalement. Dans la vraie vie. Mais c'est bon, on va pouvoir faire double Murloc. Attends, mais le vieux Troublade, en plus, c'est extraordinaire, non? Ça se combat entre eux, ça. Je suis content, regardez, ça va être trop marrant. Non, faudrait juste pas qu'il fasse encore un spell qui fasse des trucs pas catholiques et pas romains. Apostolique, catholique et romaine. Vous allez payer. Pyro sur ta gueule. Eh ben c'est létal. Je crois. Parce que là ça me donne un spell de merde là, c'est ça? Ah pas du tout, me donnez le spell nul. Du coup y'a pas létal. Merde, c'est pas grave. Ouais, bah flamme sacrée, hein. Allez, on le met à 1. Prochain tour, on fait vieux trouble-l'œil. Terminé. J'aurais pu vieux trouble-l'œil face ce tour-ci d'ailleurs, ok, il y a un taunt. Non, mais. Pas de...
Non, ça ne vous regarde pas. Hein? La belle époque. J'ai oublié que c'était... Est-ce que vous vous rappelez que cette carte a écrasé, a existé, écrasé, dans l'appel de spell? Et bah c'était bien. Pas de chance, hein. Pas de chance du tout, ça, quand même. Et bah c'était bien, écoutez. C'était un très très bon bras de fer. Non mais je vais pas tout vous spoil parce que ça a l'air rigolo. Je suis longtemps que je joue le trouble et du coup j'en profite, hein. Voilà, ça a l'air rigolo. Mais c'est bien en tout cas, ça prouve que c'est le 100ème bras de fer et ça fait plaisir. Donc je vais vous laisser découvrir tout ça en famille. Et ça fait plaisir, voilà. Au revoir. A 2000 likes, je me bifle. A 2000 likes, prochaine vidéo, je me bifle avec ça. Au revoir. C'est malsain.